Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake au mascarpone et chorizo spécial apéro. Pourquoi spécial apéro? Parce que je l'ai fait d'une manière que l'on peut découper, comme vous pouvez le constater ici, et le présenter pour un apéro ou un dîner, un apéro dînatoire. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Allez, je vous donne d'abord les ingrédients, et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Alors, les ingrédients pour un cake au mascarpone et chorizo spécial apéro pour environ 10 personnes. Vous aurez besoin de 400 g de farine, 6 œufs, 200 g de mascarpone, 200 g de chorizo, alors du doux ou du fort, hein, suivant ce que vous aimez, 20 cl d'huile de tournesol, 2 paquets de levure chimique, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 20 minutes. Le temps de cuisson, c'est 25 minutes à 180 degrés, en tout cas dans mon four, avec four électrique à chaleur tournante. Et le moule, j'ai pris un moule carré, 22 cm sur 22. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous explique comment faire cette délicieuse recette au mascarpone et chorizo. Allez, c'est parti. Pour ce cake spécial apéro au mascarpone et au chorizo, on va déjà commencer par couper le chorizo. Alors comme vous pouvez constater, moi je l'ai acheté en grand, mais vous pouvez aussi l'acheter en plus petit, hein. Le but est de faire des petits carrés comme ça. Alors quand il est en grand comme ça, c'est simple, hein. Il suffit juste de découper des rondelles de 2-3 mm. Hein. Et puis après, on fait des petites allumettes, tout simplement. Alors évidemment, quand il y en a beaucoup comme... Moi je fais, hein, c'est pour 8-10 personnes. Forcément, ça fait un petit peu de travail. Après, vous pouvez demander à votre boucher qu'il vous le fasse. Hein. Bon, enfin, c'est pas compliqué. Après, vous voyez, j'ai retourné ma partie. Et puis simplement, après, je m'amuse à faire des petits dés, plus ou moins grands. Hein. Le mieux, c'est qu'ils soient assez réguliers. Au niveau de la cuisson, c'est mieux. Mais bon, après, c'est pas quelques... centimètres qui vont changer, quelques millimètres qui vont changer le tout. Voilà. Voilà. Donc, vous commencez par couper votre chorizo et puis après, on s'attaque à la préparation. Allez, c'est parti. Une fois que le chorizo est entièrement découpé, vous préchauffez votre four à 180 degrés. C'est important que le four soit bien chaud. On va commencer par battre les œufs, de façon à ce que après ce soit plus facile pour mélanger le reste des ingrédients. On va y rajouter le mascarpone tout de suite. Alors vous allez voir au début, ça va être un petit peu compliqué à mélanger. Le mascarpone étant assez compact. Et on mélange jusqu'à ce que le mascarpone soit quasiment, voire complètement dilué avec les jaunes. À vous de jouer. Voici ce que l'on obtient, un peu comme une crème. On va maintenant y rajouter l'huile, classique hein, dans un cake. Alors moi c'est de l'huile de tournesol, hein. Avant de rajouter la farine, on va saler et poivrer. Alors, moi, j'ai du chorizo doux, donc je peux me permettre d'y aller au niveau du poivre et du sel un petit peu moins. Par contre, si vous choisissez le chorizo fort, attention avec l'assaisonnement. Je vous conseille de le peser la première fois et puis après de varier au niveau, quand vous referez la recette. Vous en mettez un petit peu plus, vous en mettez un petit peu moins. Voilà, hop, on mélange bien comme il faut. Et maintenant, on va rajouter la farine. Mais juste avant, je vais prendre un petit peu de farine qui me reste et je vais en déposer un petit peu sur mes chorizo, sur mon chorizo, de façon à ce que celui-ci ne coupe pas complètement au fond. Je le travaillerai après, tout à l'heure. Et maintenant, on va rajouter la farine
tranquillement. Toujours, hein, on part du milieu et puis après on agrandit le cercle. Et puis quand on arrive vers la fin, on donne un petit coup comme ça pour bien tout mélanger. Vous avez compris le principe. On fait de cette manière jusqu'à ce qu'on n'ait plus de farine. N'oubliez pas, quand vous arrivez vers la fin, voyez, vous donnez des petits coups comme ça. Et hop, une fois que tout est bien pris, on mélange bien comme il faut. Et vous voyez, on a quelque chose de parfaitement lisse, sans aucun trou. Allez, moi je finis. Je mets ma dernière tournée. Et je vous retrouve quand c'est tout mélangé. Pour finir ma recette, j'ai pris une cuillère en bois. Ça va être plus facile pour mélanger. Vous voyez, c'est un petit peu compact. Alors, si vous trouvez ça un petit peu trop compact, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc là, c'est parfait. Donc, je reprends mon chorizo. Et vous voyez, je viens un petit peu les envelopper de farine en évitant d'en perdre en route. Bon, là, sur le coup, c'est pas très grave parce que je vais pas faire quelque chose de très épais. Donc, même si ça redescendait au fond, ça poserait pas trop de problème. En revanche, de faire ça, c'est bien quand on fait des grands cakes parce que la recette peut être aussi utilisée pour faire un grand cake classique. Hein. Et donc, du coup, de rajouter un petit peu de farine comme ça pour les envelopper, c'est pas mal. Et hop, on met tout ça dans notre préparation et on mélange tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Et là, sur le coup, faut bien mélanger pour qu'il y ait bien du chorizo partout. Pour qu'il y ait un convive qu'en ait beaucoup et puis que l'autre, il n'en a pas du tout. Voilà. Là, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans un plat adapté pour faire les apéros. Voilà, je cherche un peu mes mots, c'est le matin, ne m'en veuillez pas. J'ai juste une chose que je n'ai pas dite, c'est que dans la farine, il y avait également la levure chimique, donc que j'ai mélangée avec la farine. Hein. Donc quand on met la farine, on met également la levure chimique. Voilà, allez, c'est parti pour le moulage. Alors, perso, j'ai pris un moule à entremets, carré, c'est 22 sur 22, hein, si mes souvenirs sont bons, et que j'ai graissé, hein, bien évidemment, et on va le remplir, allez, on va le remplir à moitié. Normalement, la recette, ça fait à peu près ça. Hop. Si vous en reste un petit peu, dans ce cas-là, vous mettez ça dans un petit moule pour faire des individuels. Normalement, vous voyez, là, la recette, elle est parfaite. On peut tout mettre. Hop. Bon, je vais vous expliquer. Je raclerai tout ça après. Le but, maintenant, c'est de venir bien l'étaler. En faisant toujours attention qu'on ait bien du chorizo partout. Et comme on veut que ce soit des apéros, on ne le fait pas trop épais. De façon à ce qu'une fois que ce sera cuit, on le découpera en petits carrés ou en petits dés, enfin de la manière dont vous le souhaitez. Après, c'est juste que ce sera plus facile. Puis en plus, ce sera joli pour la présentation. Mais encore une fois, si vous souhaitez faire ce genre de cake en cake hein, pour le soir, par exemple, ça marche aussi très bien. Hein. Là, c'est juste parce que j'ai envie de faire une recette pour l'apéro, spécial apéro, mais sinon, c'est une recette qui marchera aussi très bien de cette manière. Voilà, hop, je donne un petit coup pour bien étaler tout ça. Et puis, je mets au four à 180 degrés, comme je vous l'ai dit. Je vous donnerai le temps exact, parce que là, c'est pas un cake classique. Donc, normalement, je pense qu'entre 20 à 25 minutes, c'est bien. Mais je vous donnerai le temps exact que moi, j'ai mis dans mon four électrique à chaleur tournante. Donc, c'est parti pour la cuisson.
Et voici le résultat à la sortie du four. Alors, temps de cuisson pour ma part 25 minutes, hein, comme j'avais dit, à 180 degrés. Donc là, maintenant, le but, c'est de le laisser refroidir un petit peu. Après, tout dépend de comment vous voulez le servir. Ça peut servir froid, tiède ou chaud. Mais moi là sur le coup je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et puis après je vais le démouler puis je le découperai en petits carrés, hein, ça c'est facile, hein, on prend un couteau aussi et on le découpe aux dimensions que l'on souhaite et puis je vous le présenterai pour la fin de la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme promis, j'en ai découpé des petits morceaux pour vous montrer comment on peut les présenter pour l'apéro. Vous pourriez éventuellement mettre un petit peu de jambon fumé par exemple en plus sur le dessus pour un décor encore et puis un goût plus prononcé, mais là c'est bien, hein. J'en ai découpé également une tranche entière pour bien vous montrer que comme je vous l'avais dit, le chorizo est bien resté un petit peu partout, donc il y en a bien partout et comme ça tout le monde est bien servi en chorizo. Et pour y avoir goûté plusieurs fois, c'est vraiment un véritable délice. Après, évidemment, il faut aimer le chorizo. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment Fait-On. Et surtout, n'oubliez pas, juste après, vous avez le lien pour vous abonner, le lien pour aller sur ma chaîne Comment Fait-On, enfin, sur mon site Comment Fait-On, pour être plus exact. Et puis deux recettes de petits apéros qui pourraient vous intéresser. Voilà, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consulter les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-On!